L'élément primordial ayant permis à la saga 007 de perdurer de 1962 à aujourd'hui, c'est la capacité de l'équipe de production de se renouveler constamment et surtout de faire marche arrière après être allé beaucoup trop loin dans le n'importe quoi, comme pour le précédent film. Et ce fut le cas avec Rien que pour vos yeux, le 11e Bond officiel sorti en 1981. James. Moneypenny, quel festin pour mon gars. Qu'éprouve le restant de votre personne ? Ma chère, j'allais précisément aborder le sujet. Le film s'ouvre sur l'image de Bond se recueillant sur la tombe de sa femme, assassinée par Blofeld, son ennemi juré. Véritable volonté des auteurs de revenir à la racine de la saga et d'humaniser à nouveau le héros. J'attends depuis si longtemps cet instant, monsieur Bond. Je tiens à goûter la quintessence de la jouissance. Puis Bond affronte une toute dernière fois Blofeld et en finit définitivement avec lui. En effet, vu que la production n'avait plus le droit d'utiliser le nom du spectre, il tire un trait final sur cet élément primordial de la mythologie bondienne. Une tractation est encore possible. Je vous offrirai une fortune en acier inox. Je vous en prie. Du calme, ne vous faites pas de cheveux. Posez-moi. Posez-moi. Ah, vous voulez descendre ? Mais quand on sait que le prochain 007 qui sortira le 11 novembre 2015 s'appelle Spectre, on peut imaginer que Blofeld n'a pas encore dit son dernier mot. Dans Rien que pour vos yeux, Bond doit récupérer un dispositif antimissile ayant coulé dans l'explosion d'un chalutier. Voilà 5 jours, notre navire espion, le Saint-Georges, a été coulé dans la mer Ionienne. Il était équipé de l'attaque. Or, si jamais cet émetteur tombait entre des mains, disons, indélicates, ça rendrait nos fusées Polaris totalement inutiles. Chacun de nos ordres percevra leur contre-ordre. Pique que cela, ce sont nos sous-marins qui recevraient l'ordre d'attaquer nos propres villes. Mais il apprend que le gouvernement russe souhaite également mettre la main sur ce dispositif et engage pour ce faire un redoutable mercenaire appelé Christatos, joué par Julian Glover. Relâchez-la, Christatos, et je vous garantis qu'on doublera ce qu'ils vont vous verser. Je ne reviens jamais sur un contrat. Ce serait mauvais pour ma réputation. Il croise sur sa route Mélina, une belle jeune femme désirant se venger du méchant responsable de la mort de ses parents, tué en essayant de repérer l'épave du chalutier coulé. Elle est interprétée par notre Carole Bouquet nationale, excellente en Bond Girl, vengeresse et téméraire. Les Chinois ont un proverbe. Pense bien avant toute idée de vengeance qu'il te faut creuser 2 tombes. Une certaine mentalité, vous êtes étrangère. Vous êtes anglais. Mais moi, demi-grec. Et les femmes grecques comme Electre rêvent toujours de venger ce qu'elles aimaient. L'espion va également se prendre d'amitié pour une jeune adolescente, une grande championne de patinage artistique sous la tutelle de Christatos qui la retient quasiment prisonnière. Jusqu'à l'arrivée de Bond, bien évidemment. Je te dévorerai tout cru. Très inspiré par l'un des meilleurs Bonds au service secret de Sa Majesté, ce film privilégie l'émotion et fait dans la sobriété. En effet, il y a très peu de gadgets et l'habituelle séquence de poursuite en voiture se fait avec une 2 chevaux aussi performante, voire même plus, que la célèbre Aston Martin. La route y va. Dit la route, je vous ai pas dit la tête en bas. S'il n'oublie pas les séquences spectaculaires, notamment une magnifique poursuite à ski, le film s'apparente beaucoup plus à une œuvre d'espionnage classique, ce qui est également sa limite. En effet, en éliminant le plus possible les éléments délirants de la série, Rien que pour vos yeux ne se révèle être qu'une banale série B, réussie seulement grâce au savoir-faire des auteurs et au charisme de Roger Moore. Oh, Mr. Bond. J'ai voulu vous appeler personnellement pour vous dire notre joie à tous que votre mission fut un succès. Merci du cœur. Donne un bisou. Oh, mais voyons, Mr. Bond. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est Bond, James Bond.